Autre mode de transport qui a refait son apparition ce week-end, les skis. Les remontées mécaniques ont rouvert cette semaine après 5 mois d'arrêt. Pendant toute la semaine, on a mobilisé bien sûr les remontées mécaniques, le service des pistes, le service de la mairie, de l'office du tourisme. Alors on est venu faire un reportage sur cette ouverture qui est atypique. Du coup, que de la bonne énergie. Aujourd'hui, tout le monde est super content d'être là ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de skieurs et des remontées mécaniques ouvertes. Les jeunes avec nous là, ils sont super contents et on fait du bon ski, la neige est excellente. Un 23 mai, donc voilà, c'est un peu l'occasion de montrer que cette année 2020 en montagne, elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment pas comme les autres. Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous avez dû voir la réouverture des remontées mécaniques à Balme, à Laclusa, pendant 2 jours. Et surtout, gratuite. Quand on a vu l'annonce passer, on a directement sauté sur l'occasion. Seul petit bémol, que 1000 places. Autant te dire que ça fait depuis 6 mois que tous les Français attendent la réouverture des remontées mécaniques et on pouvait pas. Donc là, 1000 places, il fallait y aller dès le début et genre c'était à 17h30 le mercredi qu'il fallait réserver nos places sur le site internet de Laclusa et ça a scratché. On n'a pas réussi. Avec un petit peu d'aide à côté, on a réussi à avoir les places. Merci JC pour ça. Encore une fois, parce que sans lui, on n'aurait pas pu skier. Et là, on se retrouve à se dire 1000 places à Balme. Ça fait... C'est combien? C'est environ combien? On était tous là, non mais ça va faire beaucoup trop nombreux, ça va être l'enfer. Et en même temps, on était là, peut-être 1000, c'est pas tant que ça. Donc en fonction de ce qu'ils ouvraient, ils ouvraient 2 télésièges. Et franchement, ça s'est passé crème. Mais on a imaginé... tout début, tout le monde qu'il aurait pu avoir. Est-ce qu'on va avoir tout ça de monde ou est-ce que ça va passer ou pour remonter ça va être tranquille? Mais juste une question, juste hâte de pouvoir skier. Surtout que j'amène mon petit frère avec moi et toute la bande de potes où on se retrouve tous là-bas et ça va être juste génial. Pouvoir skier avec mes amis, surtout qu'il y en a qui sont du monde du freeride. Moi je suis du monde du freestyle avec snowboard, ski mélangé, etc. Et tout cela pour venir skier tout simplement et profiter, ça va être génial. J'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve sur les pistes demain matin. Let's go! Ready le nain? Moi je suis ready, on va faire. C'est impressionnant comme tout est vert. Tout est vert. TNT. TNT. Prendre les télésièges de tout l'hiver. Là, je crois que tout le monde est super excité par rapport à ça. Bah, c'était gratuit, mais au final, c'était peut-être plus difficile d'avoir forfait parce que tout le monde s'est arrivé mercredi à 17h sur le site de Laclusa. Let's go to Bari. Show Lena. La queue énorme. Télésièges! Faire un télésiège en France. Pas tous les jours. Première fois de l'année. Première fois de la saison. Tu dis hi? Salut. J'ai essayé de faire connaissance avec le gars d'à côté. Lui donner mon 06 et tout. Mais il a pas voulu. Alors il aime que les petites blondes aux yeux verts. Je lui ai dit qu'il a les yeux verts marrons. Je sais pas si ça va matcher. Ça match ou pas? Chaud, chaud le nain.
Marie Louis sont morts. Non, moi je suis pas encore mort. C'est vrai qu'on peut dormir tout en position. Mais non, j'ai fermé les yeux sur le TSF. C'est tout. Ouais. J'ai tout pissé. Je me suis juste assoupi. Fermé les yeux sur le TSF. Je commence à fatiguer. Mais comme tout le monde. Ouais. Oh, dans la queue. Franchement, c'est trop bien. De ouf, c'est ouf de pouvoir skier en France. Bon, le dernier TSC, j'ai les deux snowboarders. Ça va aller faire le petit. Non, mais oh, on est mieux ici, hein. Sans le grand. On est mieux là qu'en prison, hein. Tu reprends les trucs de cafiste. Dernier run de la journée. Je suis fatiguée quand même là. Je commence à vraiment fatiguer. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment cool d'aller skier ici. On avait dit il y a 2 semaines, 3 semaines, qu'on rangeait les skis au placard. En fin de compte, 3 semaines plus tard, on les ressort. C'est trop bien. Le ski, c'était tout là-haut, 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 là-haut. Maintenant, il est temps de manger un sandwich. Poulet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'était trop cool de la tourner, surtout trop bien d'avoir pu skier. C'était juste énorme. Je m'étais dit, oui, t'inquiète, Lou, tu mets les skis au placard et tout. Tu parles, Charles. 3 semaines plus tard, je vois une annonce ski gratuit, remontée mécanique en France. Je suis la première à sauter sur l'occasion. Mais trop contente d'avoir pu skier, en plus avec mon petit frère, avec tous les potes. Donc ça, c'était génial. Ah, on aura skié quand même un 23 mai à la Clusaz avec beaucoup de neige. Surtout qu'on a eu de la puff le matin. On a eu beaucoup de puff, genre... On a eu de la puff, on a fait les premières traces, c'était juste dingue de se dire ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!